Ariane 5, lancement réussi de la nouvelle fusée européenne efface le premier échec de l'an dernier et ouvre de nouvelles perspectives commerciales. La négociation doit reprendre ce soir entre syndicats de routiers et patronat qui devraient faire de nouvelles propositions pour éviter la grève toujours prévue dimanche. Algérie, plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la rue, toute l'opposition pour dénoncer le trucage des élections de la semaine dernière. Procès Papon, témoignage demain de l'historien américain Robert Paxton qui le premier étudia le régime de Vichy et la collaboration entre autorités françaises et allemandes. En tête des ventes, la musique celte venue de la nuit des temps, un phénomène qui touche tous les publics, une musique qui a le parfum du grand large. Madame, monsieur, bonsoir. Décollage réussi cet après-midi pour la nouvelle fusée Ariane 5 qui doit assurer l'avenir de l'industrie européenne des lanceurs de satellites. Un marché énorme dans lequel nous sommes en concurrence principalement avec les États-Unis. Tout s'est donc bien passé. L'échec d'il y a 17 mois est oublié. Pour l'ensemble des techniciens de la base de Kourou en Guyane, c'est le soulagement et la satisfaction du devoir accompli. Jean-Claude Alanic. 3, 2, 1, top. Allumage EAP, décollage, lift-off. Enfin, Ariane 5 s'élève dans le ciel de Guyane. Image magnifique, 1500 tonnes qui s'arrachent de la terre. Pourtant, jusqu'au dernier moment, on a tremblé quand le DDO, le directeur des opérations, a arrêté le décompte 48 secondes avant le décollage. À toutes les DDO, arrêt du décompte par rouge, ensemble de lancement. À quelques kilomètres de là, Kourou s'était donné rendez-vous sur le site de Carapa. Ils sont plus d'un millier à s'être déplacés pour voir décoller la fusée. Tout le monde ici a en tête l'échec du vol 501 et l'enjeu que représente ce nouveau tir. La première a échoué, on voudrait que ça part correctement cette fois-ci. Quand même un spectacle sans précédent et je suis solidaire avec tous les gens du CSG. Dans la salle Jupiter, on a identifié le problème, les voyants sont au vert. Après 20 minutes d'attente, le décompte va pouvoir reprendre. 3, 2, 1, top. Allumage EAP, décollage, lift-off. Tout de jour, c'est encore plus émouvant. J'ai vu des gens pleurer, une dame pleurer derrière moi, dire c'est magnifique. Je suis contente. Pourquoi ? J'en sais rien, mais je suis contente. Pourtant, la partie n'est pas encore jouée. À Jupiter, on guette les phases critiques. À 2 minutes et 30 secondes, séparation des propulseurs à poudre, réussi. Ariane 5 poursuit sa course dans l'espace. Sa vitesse, 8 km à la seconde, vertigineux mais insuffisant. Les satellites rateront la bonne orbite. Le succès n'est donc pas tout à fait complet. Sur place à Kourou, l'un de nos envoyés spéciaux, Benoît Duquesne. Benoît, bonsoir. Alors ce lancement est-il une réussite à 100%, à 90%, à 50%? Bonsoir, c'est bien sûr un succès. C'est un succès d'abord compte tenu de l'échec précédent. Et puis cette fois-ci, Ariane a décollé. Les boosters se sont séparés sans ennui. Les satellites ou les maquettes de satellites qui se trouvaient dans la fusée n'ont pas été endommagées par les vibrations pendant la période de lancement. C'est donc un succès, même si effectivement Ariane n'a pas livré, entre guillemets, ses maquettes de satellites sur l'orbite qui était prévue. Autrement dit, ça veut dire que d'ici 5-6 mois, d'ici le vol 503, il va falloir affiner tout ça pour que les trajectoires soient plus fiables, plus performantes, comme elles le sont pour Ariane 4 et que Ariane 5 devienne un lanceur commercial. Mais je peux vous dire qu'on a poussé vraiment un groove de soulagement ici, d'abord sur le plan européen, parce qu'on avait peur qu'un nouvel échec compromette complètement le projet Ariane 5, qui a déjà coûté 50 milliards à l'Europe et à la France en particulier, et puis sur le plan guyanais, parce qu'il faut savoir qu'un tir de fusée ici, c'est 100 millions de retombées économiques à chaque fois, et on n'a pas du tout envie de voir cette industrie compromise. Merci Benoît. Revenons sur Terre, en France, avec la négociation entre syndicats de chauffeurs routiers et patronat. Après une interruption de séance à la mi-journée, les discussions doivent reprendre ce soir à 21h. Rien n'est réglé pour le moment, même si les transporteurs doivent revenir avec de nouvelles propositions. En attendant, se souvenant de la grève de l'an dernier, les Français commencent à s'inquiéter, à faire des réserves, notamment en carburant. C'est le cas à Bordeaux, qui se trouve à proximité d'importantes raffineries qui, lors du dernier conflit, avaient été bloquées pendant plusieurs semaines. Reportage François Privat, Bernard Bonnard. 20 à 30 minutes d'attente pour un plein.
Et comme l'année dernière, les jerrycans tiennent la vedette. Si je suis arrêté en cours de route, eh bien, si j'ai plus d'essence, bien sûr, hein, je pourrais toujours faire 300 km de plus. J'en ai déjà d'avance, mais comme ça, j'en prends un peu de plus. En tant qu'entrepreneur, moi, il faut absolument que je roule toute la semaine pour aller voir les clients. Donc, je fais le plein pour la semaine prochaine, au cas où. À quelques mètres des pompes à essence, c'est la deuxième livraison de la journée. Cet hypermarché vend deux fois plus de carburant qu'en temps normal. C'est forcé, quoi, pour assumer les excès des gens là, qui remplissent leur jerrycan, qui font deux fois plus le plein que d'habitude. Ils sont capables, pour 10 litres, de faire le plein jeudi soir, vendredi soir. Plus de 700 camions-citernes sont venus faire le plein aujourd'hui dans l'un des principaux centres de stockage de la région bordelaise. Une activité inhabituelle. Ici, on anticipe la crise. Le préfet a d'ores et déjà autorisé les transports d'hydrocarbures samedi et dimanche matin. Nous sommes normalement alimentés, donc nous n'avons pas donc d'inquiétude particulière, en tout cas quant au stock disponible dans nos installations. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes fortement sollicités pour une ouverture samedi matin et dimanche matin. Les responsables de la grande distribution prennent eux aussi leurs précautions. Demain, ils recevront plusieurs livraisons exceptionnelles. Ça va être un grand boom, ça va être un afflux important de marchandises pour tenir environ 4 ou 5 jours de vente au niveau du magasin. Dans le conflit des chauffeurs routiers, des négociations... Au local bordelais, des chauffeurs routiers de la CFDT, tout est prêt pour organiser à partir de dimanche soir le blocus de la frontière franco-espagnole et des principaux centres d'hydrocarbures. Du côté des syndicats, donc, vous venez de le voir, de chauffeurs routiers, on négocie, mais on prépare également une éventuelle grève avec blocage des routes à partir de dimanche, ce qui nécessite la mise en place d'une logistique importante. Sébastien Vibert, Didier Guyot. Ben voilà, c'est un fax qui descend de la Fédération CFDT des Transports. Donc, figure tous les numéros des téléphones portables de toutes les équipes sur toute la France. Donc, nous pourrons nous joindre entre nous pour être plus efficace, puisque la CBI est brouillée pratiquement à chaque fois qu'il y a des barrages routiers. Organiser et équiper les représentants syndicaux des routiers de Saint-Étienne ont quasiment tout prévu. Les téléphones portables, mais aussi la nourriture, les tracts et bien sûr la localisation des barrages. On ne veut pas non plus trop pénaliser les utilisateurs de la route, donc les gens qui prennent la voiture pour aller au travail, on ne veut pas trop les pénaliser. Donc on va peut-être se tourner sur la partie logistique, approvisionnement des grandes surfaces, les centres pétroliers. Une large mobilisation que les syndicats essaient de coordonner au niveau national. Les états-majors sentent que la pression sur le terrain est très forte. Vous savez, on a eu 230 ou 240 barrages en 96, mais en fin d'action, là on risque de les avoir en début d'action. Des troupes qui restent très attentives aux négociations en cours. Nous allons faire une permanence, rester toute la nuit, pour pouvoir répondre au téléphone de manière à donner des explications sur les futures négociations là, qui vont avoir lieu à partir de 21h, bien évidemment. Et puis aussi les prévenir tout de suite s'il y a un accord de signer, bien évidemment. Mais en cas d'échec, les barrages se mettront rapidement en place. Les routiers sont fin prêts. En direct avec nous ce soir, le représentant du syndicat Force Ouvrière des chauffeurs routiers, Roger Poletti. Monsieur Poletti, bonsoir. Bonsoir. Alors les transporteurs doivent normalement revenir ce soir à la table des négociations avec des propositions sur le principal point de divergence, à savoir les salaires. Vous demandez 10 000 francs par mois, 120 000 francs par an. Le patronat, lui, jusqu'à présent, n'entendait parler que de salaire annuel. S'il y renonçait ce soir, ce qu'on laisse envisager, est-ce que le problème serait réglé ? Écoutez, une bonne partie du problème serait à coup sûr réglé. Mais ce qui me gêne beaucoup, c'est que pour l'instant, le patronat ne parle que pour une certaine catégorie de chauffeurs, la catégorie la plus qualifiée, ce qui représente environ entre 7 000 et 10 000 chauffeurs, alors qu'il y a 220 000 chauffeurs dans la profession. Je souhaiterais que nous puissions trouver une mesure plus large, correspondant effectivement à la position réelle des chauffeurs dans la profession, parce que sinon, eh bien, notre demande ne peut pas être prise en compte et ce serait bien dommage. Le problème, c'est que dans cette profession de transporteur routier, la taille des entreprises est très diverse. Il y a surtout beaucoup de très petites entreprises avec souvent un seul chauffeur salarié. Pour eux, est-ce que ce n'est pas au-dessus de leurs possibilités, ce que vous demandez ? Écoutez, très honnêtement, je ne le pense pas que ce soit au-dessus de leurs possibilités.
Ce qu'il y a, c'est qu'à l'heure actuelle, le vrai problème, c'est de savoir si effectivement, à un moment ou un autre, chez nous en France, on va finir par payer le coût du transport à son juste prix, ce qui n'est pas le cas depuis maintenant 15, 20, presque 25 ans. Et toute l'hypocrisie qui repose sur cette affaire fait qu'aujourd'hui, nous sommes gênés. Nous sommes gênés parce que il y a ce problème-là et il y a le fait que, incontestablement, après le mouvement de novembre 96, l'ensemble des promesses prises aussi bien par le patronat que par le gouvernement, eh bien, ces promesses n'ont pas été respectées. Et la concurrence internationale, monsieur Poletti. Alors la concurrence internationale, que l'on arrête un petit peu de parler de ça. Si effectivement en France, nous n'arrivons pas à régler et à définir un prix de transport minimum. Eh bien, il est bien évident que, au 1er juillet 1998, la concurrence internationale va s'en donner à cœur joie. Et si nous n'arrivons pas, eh bien, moi, je vous le dis très tranquillement, en l'an 2000 ou l'an 2005 au maximum, nous n'aurons pratiquement plus d'entreprises de transport françaises. Nous aurons perdu 360 000 emplois. Alors, allons-y. Dernière chose, ce soir, vous êtes optimiste, vous êtes prêt à négocier, jusqu'à quand et à quelles conditions ? Écoutez, je crois que pour être prêt à négocier, j'ai toujours été prêt à négocier. L'organisation syndicale EFO est prête à négocier. Nous irons jusqu'au bout. J'ai dit depuis le début que moi, éventuellement, j'étais prêt à négocier pratiquement jusqu'à dimanche 20h. Mais enfin, il faut qu'on se dise que ça serait très difficile de rattraper le coup. À votre avis, Roger Poletti, combien de chances d'aboutir ce soir ? 50%, 60%, moins ? Écoutez, laissez donc la négociation se développer. Donnez un chiffre. C'est déjà, au départ, obérer cette négociation. Moi, je suis venu pour négocier. Moi, je suis venu pour essayer de trouver une solution. Moi, je suis venu pour éviter que dimanche soir, il puisse y avoir un mouvement des chauffeurs routiers. Je vous remercie. De rien. Au revoir. L'insécurité dans certains quartiers des grandes villes est telle aujourd'hui que les incidents sont quotidiens à Lille. Métro, autobus étaient en grève aujourd'hui après un dernier incident hier soir. Un cocktail Molotov lancé contre un bus. Les chauffeurs en ont donc assez. Ils ont obtenu que des CRS les accompagnent. Hervé Guéquer, Dominique Mas. Qu'est-ce qui s'est passé alors là, monsieur ? Il y a eu un début d'incendie. Ils ont mis de l'essence. Je sais pas, ils ont acheté de l'essence. La moquette ici qui a commencé à brûler. Donc le chauffeur... Même plus de la colère, mais de l'abattement. Les chauffeurs de bus et de tramway de la région lilloise en ont plus qu'assez. Hier, 28 incidents et agressions, dont un cocktail Molotov à Roubaix. Bref, la violence au quotidien. Il y a 15 jours, j'ai un jeune, je lui demande un titre de transport, et puis il me soulève le pull au vert, et il me sort une arme de gros calibre qu'il avait à la ceinture. Alors, la police de Villeneuve-d'Ascq a réussi à l'arrêter. Tout ça pour un titre de transport. Aujourd'hui, en signe de protestation, la grève générale. Bus, tramway et métro sont restés au garage. Pendant ce temps, une délégation de chauffeurs était reçue à la communauté urbaine de Lille, puis à la préfecture. Nous, demain, on a les mêmes problèmes qui vont continuer sur le métro et à l'épaule, et ailleurs d'ailleurs, donc il faut qu'on ait des mesures immédiates. On n'est pas en mesure de demander à nos camarades de reprendre le travail si on n'a pas des mesures immédiates. Pour les autorités, il faut donc parer au plus pressé et que le trafic reprenne rapidement. Il faut éviter que ça se reproduise. Donc on va en ce moment, ponctuellement et à chaud, multiplier les patrouilles avec un renforcement pour éviter que ça se reproduise ce soir dans la journée. Dès cet après-midi, plusieurs dizaines de CRS patrouillaient dans le quartier de l'Épeule à Roubaix, là où a eu lieu hier le jet de cocktail Molotov. Dans quelques mois, une brigade des transports, soit 150 policiers nationaux, devrait être créée dans la région lilloise. Grève également des transports en commun au Havre aujourd'hui, pour les mêmes raisons, insécurité. Et cette violence touche maintenant de petites villes. Ce fut le cas hier soir à Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle. 15 000 habitants, en un quart d'heure, un groupe d'une trentaine de jeunes a saccagé une partie du centre-ville alors que rien ne laissait présager un tel déchaînement de violence. Virginie Fichet et Sylvain Gauthier. Ce matin, le ciel de Pont-à-Mousson était encore tout étoilé. Dans les rues, les vestiges d'un quart d'heure de violence, un quart d'heure, pas plus. Entre 22h et 22h15 hier soir, une trentaine de jeunes, visages dissimulés par des cagoules ou des casquettes, traversent le centre-ville de part en part. Sur leur passage, ils se livrent à des dégradations systématiques. Bilan, 3 véhicules incendiés, une dizaine de voitures et de vitrines détruites à coups de battes de baseball et autres projectiles. Oui, c'est un cocktail Molotov et une grosse pierre qu'ils ont éjectée contre la porte. C'est une ville qui est hyper tranquille, Pont-à-Mousson, hyper tranquille. Je suis née à Pont-à-Mousson, je suis une vraie Mussy-Fontaine, je peux vous assurer, aucun problème. Bon, il y a peut-être des choses qui se passent, mais je veux dire, non, c'est une ville très très bien.
Comment vous expliquez ce qui s'est passé hier soir alors ? Je sais pas. Et ce matin, personne ne comprenait. Dans cette ville de 15 000 habitants, les problèmes de banlieue ou les quartiers réputés sensibles, même la police avoue ne pas connaître. En effet, c'est une des particularités des saccages de hier soir, à savoir que on n'a jamais eu affaire à ce type d'événement localement, et ni au niveau du département même. C'est une nouveauté, ce qui nous amène aussi à nous interroger sur les motivations. Des motivations d'autant plus difficiles à saisir que le commando ne s'est livré à aucun pillage. Règlement de compte ou vandalisme gratuit, la police ne néglige aucune piste. Ce soir, dans les rues de Pont-à-Mousson, les patrouilles seront renforcées. Un mois après la collision entre un camion et un train de voyageurs qui avait fait 13 morts au passage à niveau de Port-Sainte-Foy en Dordogne, nouvel incident, heureusement sans gravité ce matin, un camion-citerne a défoncé les barrières avant de poursuivre sa route. Accident cet après-midi dans le Var, un char AMX de l'armée française qui circulait sur la Nationale 8 a roulé sur le capot d'une voiture arrivant en sens inverse après avoir dérapé dans un virage. Les deux occupants du véhicule ont été très sérieusement blessés, mais ce soir on indique que leur vie n'est plus en danger. Procès de Francis Tamperville, ingénieur du commissariat à l'énergie atomique, accusé d'espionnage au profit de l'ex-Union soviétique. L'avocat général avait requis 15 ans de détention cet après-midi. Le verdict vient de tomber, 9 ans de prison. Suite et rebondissement dans les affaires de dopage dans les milieux sportifs, notamment du football. Le footballeur du Havre, Cyril Pouget, a demandé une contre-expertise. Les résultats seront connus demain. La Fédération française de football s'est réunie pour débattre du problème. Et une opération de contrôle surprise a eu lieu cet après-midi à Marseille. Le tout sur fond de désaccord entre les médecins du sport. François Brabant. C'est un sacré chantier et il a commencé au stade Vélodrome de Marseille. Ce matin à l'entraînement, les joueurs de l'OM ont eu une petite surprise de la part de la Fédération française de football, contrôle inopiné. On a signé un papier et on a rendez-vous cet après-midi à 14h30 pour un contrôle. Combien de joueurs sont concernés ? D'après ce que je sais, il y en aurait 5 ou 6. Et vous en faites partie ? Et j'en fais partie. Inquiet ? Non, pas du tout. Pourtant, c'est plus que de l'inquiétude qui gagne le monde du football en ce moment. La nandrolone, découverte la semaine dernière dans les urines de 3 joueurs, est l'objet de tous les avis, toutes les opinions. Dernière en date, celle de Jean-Pierre de Mondenard, ancien médecin du sport. Pour lui, nandrolone, ça ne veut pas forcément dire dopage. On a chez les quadrupèdes, notamment chez les chevaux, des contrôles qui sont faits, à la nandrolone aussi. Et pendant des années, on a cru que la nandrolone, effectivement, c'était du dopage intégral. Et puis on s'est aperçu récemment, ou il y a déjà quelques années, que la nandrolone, chez le cheval, avait une sécrétion endogène. Et maintenant, on ne contrôle plus, on ne sanctionne plus systématiquement les chevaux, on fait un seuil, c'est-à-dire au-delà d'un seuil, ils sont positifs, en dessous d'un seuil, ils sont négatifs. Alors pourquoi pas chez l'homme ? Pourquoi pas, en effet, même si pour le moment, on ne l'a jamais prouvé. En tout cas, chez les instances dirigeantes du football français, c'est tempête sous les crânes. La semaine dernière, à la FFF, nandrolone, c'était dopage. Aujourd'hui, on en est beaucoup moins certain. Je m'occupe un peu de médecine du sport, j'essaye de faire de mon mieux, mais là, ça dépasse un peu. Non, mais c'est mais on cherche actuellement, nous travaillons sur toutes les pistes. Enfin, mais est-ce que c'est plausible, médicalement possible ? Tout est possible. Tout est possible pour les joueurs incriminés, premiers à passer l'épreuve de la contre-expertise. Le Havrais Cyril Pouget est ressorti du laboratoire national de dépistage, Bredouille. Il devrait y retourner demain, à la première heure. On y verra alors un peu plus clair, peut-être. Du nouveau dans le traitement du sida, non pas au niveau des découvertes, mais de la mise à disposition des médicaments qui constituent la trithérapie et qui désormais pourront être obtenus dans les pharmacies et non plus seulement à l'hôpital. Cette disposition concerne 23 000 malades qui voient leur vie facilitée, mais en même temps, cela pose des problèmes de respect de l'anonymat. Gilles Marinet, Jean-Louis Bousset. Les trithérapies disponibles en pharmacie, une décision attendue. Dans cette officine parisienne, ce matin, plusieurs personnes s'étaient déjà manifestées. En effet, 3 patients nous ont laissé leur ordonnance pour qu'on puisse avoir la trithérapie ou aujourd'hui ou demain en fonction de l'heure de l'apparition au journal officiel. Voici l'un de ses clients. Il ne montrera pas son visage. Il apprécie de ne plus aller à l'hôpital, mais soucieux d'anonymat, il se demande s'il pourra ici préserver le secret de sa maladie. Les gens me regardent toujours un petit peu de travers et puis je n'ai pas envie de dévoiler mon traitement devant tous les clients de la pharmacie. Les pharmaciens, comme ils le font déjà en d'autres cas, devront opérer avec discrétion, surtout lors du premier contact. La délivrance de l'ordonnance s'accompagne de sérieuses recommandations.
Il y a un certain nombre de conseils à donner aux patients sur la prise, sur les interactions, sur les premiers effets secondaires qu'il peut avoir dans les trois premières semaines ou dans le premier mois de trithérapie. Et ça, c'est qu'en discutant avec le patient qu'on va pouvoir essayer de sensibiliser à ce problème-là. Il faut donc se créer un espace pour ça. Donc il faut créer un espace pour ça parce que ça peut durer une demi-heure, une heure. Et je pense que plus ça peut durer, une consultation entre guillemets va durer longtemps, plus en fait il y aura une relation d'échange entre le patient et son pharmacien. Enfin, certaines associations de défense des malades émettent des réserves sur la compétence des pharmaciens face à des thérapies en perpétuelle évolution. Elles réclament la mise en place de formations spécifiques. Les députés ont adopté aujourd'hui définitivement la mise sous condition de ressources des allocations familiales et la réduction de l'allocation garde d'enfants à domicile, qui sera donc réduite de 45 à 22 500 francs annuels pour les couples gagnant plus de 25 000 francs nets par mois. Un amendement atténue cette décision. La réduction sera seulement de 25% pour la garde d'un enfant de moins de 3 ans quand les ressources du ménage sont inférieures à un plafond de 300 000 francs nets par an. À l'approche du Téléthon qui, chaque année, nous en apprend un peu plus sur certaines maladies génétiques encore mystérieuses, une famille du Finistère lance un appel pour son petit garçon de 10 ans, atteint d'une maladie très rare, une trentaine de cas en France, la maladie de l'homme de pierre, les muscles qui petit à petit durcissent et se solidifient comme des os. Malheureusement, pour l'instant, les chercheurs sont impuissants, du fait même de la rareté des cas. Olivier Sioux, Jean-Daniel Flézaquier. Comme tous les enfants de son âge, Pierre-Yves profite à fond des vacances de la Toussaint. Pourtant, Pierre-Yves n'est pas un petit garçon comme les autres. Depuis l'âge de 2 ans, il est atteint de myosite ossifiante progressive ou maladie de l'homme de pierre. Les uns après les autres, ses muscles s'ossifient et le paralysent peu à peu. Alors, au fil des ans, Pierre-Yves a appris à vivre avec la maladie dans la maison familiale spécialement aménagée. Ça c'est pour le téléphone, ça c'est pour ma chambre, le couloir et en bas. La maladie de l'homme de pierre est une affection rarissime. Quelques centaines de malades à travers le monde, dont une demi-douzaine seulement de cas de transmission héréditaire, les seuls qui permettraient de faire progresser la recherche efficacement. Mais pour cela, il faudrait localiser au moins 10 ou 15 de ces cas héréditaires, une logique de chiffres que refusent les parents de Pierre-Yves. Nous, en tant que parents, nous vivons cela évidemment comme étant une injustice. Il suffit de voir Pierre-Yves, bon, notre enfant qui s'ossifie, qui se statufie régulièrement au fil des mois. Nous ne pouvons pas accepter, nous pouvons admettre son handicap parce que nous le subissons, mais nous ne pouvons pas accepter la maladie. Pour des parents, la loi du nombre n'existe pas, puisque bon, un enfant est unique. Et de là, donc, on fera tout pour sauvegarder notre enfant. Pourtant, les chercheurs l'assurent, ils ne baissent pas les bras. Il y a une collaboration internationale qui se met en place depuis le mois d'avril avec les Américains, avec les Anglais, les Allemands et les Hollandais pour essayer de regrouper l'ensemble des malades et essayer de récupérer le maximum de familles dans lesquelles il y ait plusieurs enfants atteints dans le but de faire cette étude. En attendant, depuis quelques jours, Pierre-Yves ne se déplace plus à l'extérieur de la maison qu'en fauteuil roulant. Les maladies de l'homme de pierre ou pas, face à l'adversité, il garde un moral d'acier. En bref, la crise sur les places financières, des hauts et des bas aujourd'hui, plutôt des bas d'ailleurs. Wall Street est en retrait ce soir de 54 points et puis à Paris aussi, recul de près de 2,8% de l'indice CAC 40. Premier voyage officiel à l'étranger pour Lionel Jospin. Le Premier ministre est arrivé seul, sans le président de la République, Jacques Chirac, cet après-midi à Moscou. Il a déjà rencontré une première fois Boris Eltsine et s'affirme ainsi donc dans un domaine que l'on dit habituellement réservé au président de la République. Philippe Arroir, Jacques Grégoire. C'est donc le premier déplacement officiel de Lionel Jospin, seul, à l'étranger, et on devine une certaine fierté. Déplacement à Moscou pour renforcer les liens économiques avec la Russie, mais aussi pour raffermir les relations politiques, comme l'avait fait Jacques Chirac il y a un mois. D'où la rencontre de Lionel Jospin avec Boris Eltsine et son désir d'établir des relations personnelles avec le président russe. Une rencontre entre deux hommes d'État, souligne-t-on dans l'entourage du Premier ministre. Un bon climat politique est le terreau indispensable à des échanges économiques fructueux. Lionel Jospin a donc redit toute l'importance que la France accorde à la place de la Russie dans le monde. Je suis venu dire ici, après le président de la République, que nous voulons avec la Russie nouvelle des relations denses, amicales, chaleureuses. Nous n'avons pas dénoncé avec constance la fracture qui a trop longtemps divisé l'Europe comme espace de civilisation pour en édifier une autre.
Bien sûr, les propos de Lionel Jospin ne sont pas différents de ceux de Jacques Chirac. Mais l'important, c'est que le Premier ministre les exprime lui-même, ici à Moscou, montrant qu'en diplomatie et en politique étrangère, il faut compter sur sa touche personnelle. Une semaine après les élections municipales en Algérie, toutes les forces d'opposition sont descendues dans la rue aujourd'hui à Alger pour dénoncer le trucage du scrutin qui a donné, souvenons-nous, une large majorité au président Zeroual. Thierry Tulier. Du jamais vu depuis l'indépendance. Des dizaines de milliers d'Algériens envahissent la rue d'Alger pour dénoncer la fraude électorale. Sous l'œil des forces de sécurité, il y a là des militants qui hier ne s'adressaient même pas la parole, tant était profonde leur divergence. FLN, démocrate, islamiste, trotskiste, c'est l'union contre le pouvoir. Basta. Ça fait trop longtemps que ça dure. Il y a eu trop de problèmes, il y a eu trop de répression, il y a eu trop d'abus, il y a eu trop d'arbitraires. En réalité, les élections ne sont que la goutte qui a fait déborder le vase. C'est très certainement un tournant dans la vie politique. Il faut espérer que le pouvoir prenne acte d'un tel désaveu. C'est toute l'opposition qui est réunie là pour manifester pacifiquement et revendiquer sa victoire. Algérie unie et démocratique reprennent en cœur ces manifestants. Jeunes, vieux, ils descendent parfois pour la première fois dans la rue et tous se sont fait la promesse de recommencer s'ils n'étaient pas entendus par le président Zeroual. Ils ne demandent pas encore l'annulation du scrutin, ils veulent seulement que le pouvoir reconnaisse l'ampleur de la fraude. Restons sur le terrain des libertés. Aujourd'hui, 55 médias européens ont lancé un appel à leurs lecteurs pour qu'ils parrainent 25 journalistes détenus dans une vingtaine de pays. La Chine en compte à elle seule 12, dont cet homme, Wai Jingsheng, arrêté depuis 1994. Les Irlandais élisent aujourd'hui leur président de la République, ou plutôt leur présidente, car pour succéder à Mme Robinson, il y a 4 candidates et un seul homme. En Irlande, le chef de l'État n'a pas de réel pouvoir politique. Il n'empêche que cet état de fait est tout de même une originalité en Europe et dans le monde. Londres, Étienne Lénard. Ce soir-là, la télévision irlandaise rejouait La Cité des Femmes. L'émission la plus populaire du pays était digne d'une grande première mondiale. 4 des 5 candidats à l'élection présidentielle sont des candidates. Il y a Adi, l'antinucléaire, Mary, député européen, Mary encore, universitaire, et puis Dana, ancienne vedette de l'Eurovision. Seul Derek, un policier à la retraite, a osé affronter un tel aréopage. Le débat public fut d'une tenue honorable, même si le présentateur le jugea finalement un peu trop courtois. Vous êtes si gentilles, si sympas les unes avec les autres. Mais mon Dieu, mais vous pouvez pas vous crêper le chignon un peu? Car voici en vérité une campagne bien singulière où le premier objectif des candidats, c'est de se faire connaître. De Dana Scanlon, l'Irlande se souvenait peut-être de sa victoire au concours de l'Eurovision il y a plus de 25 ans. Mais c'est à peu près tout. Animatrice d'un show télévisé évangéliste aux États-Unis, elle est la candidate naturelle de l'Église, adversaire acharnée d'une légalisation de l'avortement. Elle sillonne hôpitaux et paroisses. Vous prierez pour moi, mon père? Bien sûr, et n'oubliez pas que j'ai parié 200 francs sur votre victoire. Le rôle d'une présidente serait d'écouter les gens et répondre à leurs soucis. Ainsi, tous les 7 ans, l'Irlande adoube celui ou celle qui, sans grand pouvoir politique, représentera son pays sur la scène internationale. Et jusque dans les endroits où les femmes ne mettent jamais les pieds, pas un homme ne semble agacé par ce déferlement féminin. Oh, une femme peut faire ça aussi bien qu'un homme. Leur boulot n'est pas très important, elles ne font qu'inaugurer les chrysanthèmes. Ce sera plus facile pour une femme de succéder à Mary. Elle a si bien rempli sa fonction que je vois mal un homme président. Mary, la voici, Mary Robinson, présidente sortante. Elle a sans doute fait plus pour les femmes de son pays que la plus agressive des campagnes féministes. Du coup, aujourd'hui, pour les candidats à sa succession, être une femme est devenue l'une des conditions indispensables pour qui espère l'emporter. Le danger pour les candidates, c'est finalement la tentation du clonage, l'envie de ressembler, quoi qu'il arrive, à celle qui a fait renaître ici à Dublin la fonction présidentielle, au risque ensuite de souffrir de la comparaison. Et là, le fait d'être un homme ou une femme ne changera strictement rien à l'affaire. En France, le procès de Maurice Papon doit normalement reprendre demain avec l'audition d'un historien américain, Robert Paxton, qui fut le premier, il y a une vingtaine d'années, à écrire un document complet sur le régime de Vichy et l'occupation en France. Des travaux d'un très grand intérêt qui lui ont valu
il y a moins d'un mois, d'être honoré par l'ambassadeur de France aux États-Unis. Son témoignage extérieur à la polémique franco-française aura sans aucun doute une très grande importance pour éclairer les débats. Reportage Maryse Burgo. Maire Paxton, au nom du président de la République, nous vous faisons officier dans l'ordre national du mérite. Cet homme a dit et surtout écrit des choses très désagréables sur la France. Et pourtant aujourd'hui, c'est cette France qui le remercie et lui offre des décorations officielles. Robert Paxton est américain. Il est aussi auteur d'un livre culte sur la France de Vichy, une œuvre référence que ses historiens sont venus honorer à l'université de Columbia de New York. Dans la salle, beaucoup de Français, dont Jean-Pierre Azéma. Il y a 25 ans, il a tout fait pour que l'œuvre de Paxton paraisse en France. J'étais un peu sur mes gardes, puisque ça avait été refusé par une maison d'édition prestigieuse. Et je me suis dit, non, c'est l'inverse. Voilà, ça c'est quelque chose de tout à fait neuf, c'est quelque chose qui est fort bien démontré. Et ça, ça va faire un peu du bruit dans le Landerneau, non seulement des historiens, mais du côté de l'honnête homme. Il est un des premiers à montrer de façon très claire qu'après la défaite de 1940 et l'instauration du régime de Vichy, c'est ce régime qui a demandé et qui a souhaité la collaboration avec l'Allemagne, alors que l'occupant, dans un premier temps, ne l'avait pas souhaité lui-même. Robert Paxton, ou l'histoire donc de l'Américain qui a raconté ce que fut vraiment la France de Vichy. Et pour voir Vichy d'une façon un peu différente, en 1960, fin des années 60, début des années 70, j'ai dû lire les archives allemandes. Ce sont ces archives allemandes qui vont aider Paxton à écrire son livre. Archives implacables. Elles démontrent que l'État français a non seulement collaboré activement, mais qu'il a le plus souvent devancé les désirs des nazis, notamment pour les questions juives au tout début de l'occupation. Les Allemands ne demandaient pas des lois antisémites. Le projet des Allemands à l'époque, c'était l'expulsion des Juifs allemands. C'était pas encore l'extermination. La politique envers les Juifs, la politique de Vichy, vient de l'intérieur, d'une diagnostic de la défaite faite par la droite, selon laquelle c'est la décadence de la France aux années 30 qui a produit la défaite, et les Juifs sont au cœur de cette diagnostic de décadence. Robert Paxton est donc aujourd'hui officiellement remercié pour avoir aidé les Français à regarder en face ce que furent ces années noires. Redécouverte de la musique celte qui remonte à la nuit des temps, et pourtant elle figure parmi les meilleures ventes de disques de cette rentrée. Des artistes comme Dan Arbraz ou Gilda Sarzel remplissent les salles. Bref, une rentrée qui a le parfum du grand large. Louis Carzou, Frédéric Faure. Si certains doutent encore que la Bretagne soit terre de légende, l'histoire de Dan Arbraz devrait les faire réfléchir. Car pendant 15 ans, cet ancien guitariste d'Alan Stivell n'a connu que des petits clubs où l'on est prié de venir avec son ampli. Mais aujourd'hui, lorsqu'il fait une pause dans l'un de ces petits clubs, l'on se bouscule pour un autographe. Car entre-temps, Dan Arbraz s'est lancé dans l'héritage des Celtes. Une aventure sonore avec quelques 50 musiciens et dont le premier chapitre s'est vendu à plus de 250 000 exemplaires, un peu à la surprise générale. Vous aimez bien quand on vous aborde dans la rue et qu'on vous dit « c'est vous le chanteur de Dan Arbraz ?» On me dit aussi « c'est pas vous le guitariste de Dan Arbraz ?» Ça fait rigolo. Ça veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est que je suis un peu le représentant d'un truc. Les gens savent pas trop des fois qui je suis quoi, dans cette histoire-là. Réponse toujours sur le côté de la scène, mais au cœur de la musique. Pour la suite de l'héritage des Celtes, Dan Arbraz n'a rien changé. Des artistes en nombre venus d'Irlande, d'Écosse ou de Galice, plutôt habitués des petits clubs que des listes de meilleures ventes. Car même si ces disques ont quitté le rayon musique régionale pour celui des variétés, Dan Arbraz n'a pas changé de taille de casquette et garde le cap d'un triomphe modeste. Ce qui me plaît, c'est de faire partie d'une communauté. Dans cette communauté, certains font du pain, d'autres réparent les voitures. Moi, je fais de la musique, ni plus ni moins. Je fais des petites choses qui, effectivement, ont une portée parce que c'est médiatisé et que ça concerne plein de gens.
Mais le boulanger vend plein de baguettes de pain aussi à plein de gens. L'autre héros de cette rentrée au goût de grand large, c'est Gilda Sarzel. Et l'ancien chanteur-guitariste de Canada n'oublie pas lui non plus que l'étiquette pure celte n'a pas toujours été synonyme de beurre et de sourire. C'est déjà du temps de Canada. On avait un morceau qui s'appelait Mourir les sirènes, qu'on a sorti en 86 et qui n'a marché qu'en 87 parce qu'il y avait des cornemuses. On nous disait, ah non, c'est ringard, ça va plaire que dans le Finistère, vous êtes fous, tout ça. Donc on a insisté, on a mis un an. Et puis finalement, ça a marché. Aujourd'hui, son mélange de blues et de biniou remplit les salles dans toute la France et a même convaincu l'un de ses amis d'enfance de se jeter à l'eau pour ce cocktail de son, un certain Jean-Jacques Goldman. Bref, pour ceux qui en doutaient encore, la Bretagne est une terre fertile en musique et en musiciens. Et ça, ça n'est pas une légende. Un millier de personnes ont rendu hommage cet après-midi à notre confrère François-Henri de Virieux, disparu à l'âge de 65 ans des suites d'un cancer. De nombreuses personnalités étaient présentes à cette cérémonie, dont le président de France Télévisions, Xavier Guyot-Beauchamp, Hervé Bourges, François Bayrou, ainsi que M. Philippe Séguin, et puis des centaines d'habitants anonymes de Marly-le-Roi, dont il était le maire. France 2 prépare une émission spéciale consacrée aux 13 ans d'heure de vérité de François-Henri de Virieux. Mort à l'âge de 87 ans de l'écrivain, humoriste et polémiste Paul Guth, qui avait inventé un personnage de naïf regardant ses contemporains avec beaucoup d'ironie. Geneviève Moll. Paul Guth était un Parisien d'adoption qui adorait Paris, mais qui avait gardé l'exquise politesse de la province. Je suis né dans les Pyrénées, oui. À Aussin, à 10 km de Lourdes. Il n'a jamais caché des origines d'une grande modestie, des origines qu'il se complaisait à rappeler. Et nous étions très pauvres au point qu'on ne mangeait de la viande qu'une fois par semaine. De son père pourtant, il a gardé un goût presque immodéré pour La Fontaine, à qui, des années plus tard, il consacrera un livre. Mon père était un modeste petit mécanicien et qui n'avait qu'un seul livre. Il n'avait que deux livres, un dictionnaire et les fables de La Fontaine. Il n'y avait pas d'autres livres dans toute la maison. C'est peut-être cette passion pour le fabuliste qui l'a conduit à devenir d'abord professeur de lettres, puis écrivain. Sa célébrité, il la doit à son personnage du naïf, qu'il exploite dans 7 de ses romans. Extrêmement prolixe, couronné par de nombreux prix littéraires, il a construit une œuvre mordante et drôle, à l'image de son esprit, qu'il exprimait dans toute chose. Vous venez de faire une dictée, vous avez fait 11 fautes. C'est beaucoup. Quel genre de faute c'était ? J'avoue que c'est de ma faute. D'avoir fait des fautes. Polémiste, il s'est élevé contre ce qu'il appelait les méfaits de notre société, la violence, la drogue, le sida, l'illettrisme. Paul Guth a été un auteur très populaire, dont l'œuvre reste une grande entreprise de dérision. Tennis, tournoi de Bercy, il n'y a plus malheureusement qu'un seul Français en compétition. Guillaume Raoult qui jouera ce soir contre Bruguera cet après-midi, vous le voyez, Nicolas Escudé a été sorti par le russe Kafelnikov. Balle de match et victoire du Russe. Le rappel des principaux titres de ce jeudi, en commençant par Ariane 5, lancement réussi de la nouvelle fusée européenne qui efface le premier échec de l'an dernier, malgré quelques imperfections dans la mise sur orbite du satellite de la fusée. Négociations routier-patronat, nouvelle proposition pour éviter la grève. Et puis Algérie, plusieurs dizaines de milliers de personnes, l'opposition dans la rue pour protester contre le trucage des élections de la semaine dernière. Dans un instant, la météo Sophie Davant, point route Valérie Maurice, prochaine édition Bruno Roger Petit, 0h55. Demain dans les 4 vérités, Emmanuel Vanier recevra René Petit, président de la Fédération Nationale des Transports Routiers. 13h, Patrick Chen, Laurence Piquet, puis demain soir, vous retrouverez ici même Béatrice Schoenberg. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.